shake that bottle and make it. Eh bien, c'est tout le monde, c'est Petit Gamer 172. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, pour la continuation de notre maison, voilà. Alors aujourd'hui, on va monter un peu, voilà, sur la maison. Alors j'ai décidé de mettre ça ici, je viens de le voir, pour que ça rende un peu plus joli, un peu plus étalé. Voilà, comme ça, on a une belle petite entrée, et voilà, tout ça. Et je tiens à vous remercier pour les 165 abonnés. Voilà, hein, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu la maison. Voilà. Alors pour la continuer, j'avais pensé faire ça. Et donc si vous voulez, ben faites-le. Ah, vous faites ceci. Donc on va donner un relief à une autre maison. Alors attendez, je baisse un peu le son. Voilà. On va donner un petit relief à notre maison. Vous allez voir comment. Voilà. Alors. Attendez que je termine ça. Hop. Voilà, donc ça ce sera le bois. On va faire le tour en cette couleur-là, je pense. Voilà. Ce sera plus simple. Voilà, on va s'arrêter jusque-là. Donc regardez, vous faites ce que j'ai fait. Et ça va donner ça. Donc, hop, vous mettez ça comme ça. Hein. Voilà, c'est simple. Comme ça pour donner un petit relief. Ça là, je pense que c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, hop. Non, ça c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Voilà, pour donner un léger relief au bâtiment, ce qui va donner un petit côté sympathique. Voilà, donc on continue. Voilà. Alors ici, je pense que c'était comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça donne un truc de plutôt sympa. Voilà un petit relief. Hop. Donc pour l'instant, on va faire que cette partie-là. Ce que j'ai déjà fait. Alors, maintenant, ici, on va s'occuper de... Juste de là, parce qu'ici, il y a aussi un petit relief. Alors, comme ceci. Voilà, pour les montées. Et puis, pour les descentes, c'est comme... comme ça, voilà. Hop. Et puis, le reste. Alors. Voilà. Hop. Et voilà, et puis on continuera par après. Donc voilà. Alors j'ai juste un truc qui m'a l'air bizarre. Ça c'est pas par là. C'est plutôt comme ceci. Voilà. On va plutôt arranger. C'est plutôt comme ça. Alors. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à présent mettre ceci sur le côté. Donc une planche de bois comme ça. Tout sur le long. Voilà, hop. Comme ceci. Vous allez voir pourquoi par après. Donc ça donne toujours un petit côté relief à la maison. Voilà, hop hop. On continue. Ici pareil. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent pour le moment. Vous avez remarqué que je fais plus trop de vidéos, donc cela va arriver à peu près pendant un certain temps. Donc c'est plus ou moins normal, car voilà, donc j'ai un petit travail à faire. Mais c'est rien, donc ça va s'arranger. Et ici je me suis gouré, c'est pas comme ça que je devais mettre, c'est vers l'avant. Voilà. Comme ceci. Hop. Ça donne un petit relief. Vous allez voir par après. C'était plutôt comme ça que je voulais
mettre le relief et pas vers l'arrière. Et voilà, ça va donner un petit pli, comme ceci à votre maison. Et donc ici, pour dans les coins, on mettra ça. Voilà, pour faire la continuité de la maison, voilà, des murs. Donc voilà, donc, je vous fais déjà un mur, voilà. Sympathique avec ici une petite fenêtre. Vous voyez, ce sera comme ça. Alors ici je continue. Ici on fera un mur comme ceci. Voilà, ce sera plus logique. Hop. Voilà. Et vous pouvez remplir, hein, vous voyez. Donc voilà. Alors, ici, ça, voilà, et ça. Ça donne plutôt un côté stylé à la maison. Une petite épaisseur comme ça rend cool. Ici, maintenant, ça va être très, très compliqué. Alors, voilà, comme ça. Comme ceci. Et après, on peut continuer comme ça. Hop, voilà. On continue et on peut remplir. Et ici, il y aura de nouveau une petite fenêtre. Juste une, ça devrait suffire. Voilà. Normalement, c'est deux. Voilà, donc on doit encore monter de 1. Normalement. Voilà, tout monter de 1. Hop. Et placer ceci. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je l'ai fait avec vous. Donc je fais toute cette partie-là. Donc jusqu'à là. Et on se retrouve juste après. Une fois que j'ai fait ceci. Donc voilà. Donc je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc on se retrouve juste après. Une fois que j'ai fait ce côté-là. Voilà. Donc ça a été très simple et assez vite. Vous voyez. Ça reprend les mêmes dessins qu'en bas. Vous avez vu. Voilà. C'est très très simple. Hein. À part ici, que je dois encore modifier. Alors, ici, il y avait une polychette en andésite. Ici, il y en avait deux. Deux, voilà. Là, une et là, deux. Voilà, on reprend le même dessin et ça donne plutôt un petit côté sympathique. Donc voilà, donc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ce côté-là. Et je ferai la partie de l'autre côté en hors cam pour le prochain épisode, je pense que je verrai. Alors, on va faire aussi ici la partie du haut. Alors, ça va être très simple. Donc déjà, il faut faire cette partie ici. Alors, voilà, ça, ça. Et ça. Voilà. Plus ça comme ceci. Voilà, avec ça là. Ça au-dessus. Comme ça, mais ça par là et ça par ici, vous voyez, ça donne le même dessin que là, sauf que là il n'y a pas ce côté-là, c'est normal, ça rend un peu bizarre. Voilà, vous avez le dessin du dessus. Alors ici, vous faites ceci, vous faites comme ça, vous mettez ce bois, hop, partout, vous remplissez, voilà. Et après, on peut faire les petits détails. Vous voyez, de derrière, ça donne ça. Hop. Vous remplissez. Une fois que c'est rempli, ben, on se retrouve là-devant, voilà. Avec ceci. Truc assez moche, là. Et on va améliorer ça. Donc, ici, vous mettez une demi-dalle. Hop. Ici aussi. Vous voyez. Là, pareil. Pas ici. Là. Et là, pareil, vous voyez, ça commence
Apprendre forme. Alors, ici, je vous explique. Une ici, et ici. Parce que ici, on va mettre des vitres pour faire une petite fenêtre qui sera une fenêtre classique. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc on a déjà un beau petit truc. Ça avance déjà pas mal. Donc voilà. Alors on va commencer la deuxième partie par ici. Autre par ici. Après, on attaquera le toit. Voilà. Alors par ici, c'était. C'était comme ça. Si je me souviens bien. Oui, comme ça. Avec ici au milieu, ça. Hop. Et puis ça par ici. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, ça rend plutôt un truc assez cool. Avec une fenêtre ici. Voilà. Et je pense qu'on peut mettre une fenêtre ici. Juste une en bas, ça donne plutôt bien. Voilà. Donc après, on va passer les vitres maintenant, voilà. Hop, on prend les vitres et on place tout ça. Alors, hop, voilà. Alors ici, les vitres, on va les mettre comme ceci. Voilà, ici tout le long, voilà. Hop. Hop, hop. Et ici. Donc c'est important de mettre des blocs. Ça rend plutôt bien. Ou alors vous pouvez choisir le type de verre, mais moi je mets des blocs. Voilà. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mettre des vitres. Vous pouvez mettre des glass panels. Ça changera un peu la beauté, mais voilà. Je préfère plutôt mettre ça. Ça rend plus vite. Enfin, ça va plus vite. Car c'est des blocs. Alors ici, on peut faire une petite fenêtre de 4. Voilà, une petite fenêtre de 4. Et là aussi. Voilà. Et donc, voilà. Donc on a fait déjà une bonne petite partie. Une bonne partie de la maison. Voilà. Donc, alors on va encore continuer un tout petit peu ici. Comme je vois que ça rend assez pas trop bien. Voilà, vous mettez ceci comme ça fait un peu comme dehors. Voilà, c'est ici. Il n'y a pas de finition et ça rend assez moche. Et bien sûr, vous repassez avec de la glowstone par ici. Voilà, pour faire un merveilleux dessin. Et donc voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde, c'était ApexGamer172.